Salut, ici Missing et on se retrouve pour l'épisode 246 du Challenge Apocalypse. Donc dans l'épisode précédent, on a fait emménager Florent qui du coup est le petit ami de Farah et il est niveau 5 en peinture. Donc on va le garder un petit peu, on va essayer éventuellement de le faire finir sa compétence. Sa compétence. Oui, bah éventuellement sa compétence, mais au moins essayer de lui faire finir sa carrière. On verra, peut-être que ça nous fera une carrière de plus. On n'a qu'à 5 niveaux à lui faire monter, donc bon, ça peut éventuellement se faire. Bon, ça, si ça ira moins vite que les autres, puisqu'il n'a pas les traits, tout ça, avec les bonnes compétences, mais c'est pas grave. On verra bien ce que ça peut donner. Donc toi, tu es endeuillé. Par contre, ce que tu vas faire, c'est que tu vas jouer. Oui, voilà, tu laisses. Toi, non, tu vas pas aller pleurer. Tu vas nettoyer et tu vas. On va te faire à manger. De toute façon, il faut que tout le monde sache faire à manger. Des fruits grillés. Bon, je sais pas si ça va être. Bon, c'est pas grave. Tu seras un peu en retard à l'école. Vous irez manger à l'école. De toute façon, vous êtes plus ou moins de bonne humeur, à part toi qui a pas de trop de divertissement. Farah est debout, pourquoi? Pourquoi tu es debout? Ah, parce que tu travailles dans 2 heures, sûrement. De toute façon, tu n'auras pas ta promotion aujourd'hui. Tout le monde est triste, c'est magnifique. Ah oui, alors c'est clair que vous n'aurez pas votre promotion aujourd'hui. Alors toi, par contre, oui, il va falloir que tu... Je sais pas à quelle heure tu travailles, mais... Dans 8 minutes, magnifique. Bon, on va au moins aller te faire aller aux toilettes, ça serait pas mal, hein. Et toi, tu travailles dans 2 heures, donc toi, t'as le temps encore. Mais bon, c'est pas trop trop ça, quoi. Tu vas pouvoir prendre une potion, bien sûr. Encore une fois, j'ai du mal avec ce mauve, je crois que je l'ai déjà fait dans l'épisode précédent, mais... Donc hop, toi ça va, toi de toute façon tu ne travailles pas aujourd'hui. Donc le programme d'aujourd'hui ça va être de continuer à faire monter ta compétence. Ah mais mince, mais t'auras pas ta promotion toi du coup. Vu comment tu... Oh, ça dépend en fait. On verra. Ça va pas monter très vite mais... Le courrier est distribué, magnifique. 5 000. C'est quoi ça? Ah, tu vas au travail. Ok, ben finis de manger et puis va au travail aussi. Toutes tes joueuses. Bon, ça va pas trop t'aider. Rendre le cahier. Juste, on va faire un truc. Tu vas réfléchir à une stratégie vite fait. Comme ça, éventuellement, ça pourra peut-être te faire monter ça. Allez, dépêche-toi. Est-ce que... Non, mais tu peux avoir ton moodlet ou pas? Ah c'est bon, attends, éventuellement peut-être un petit peu ça lui fait aussi. Voilà, et maintenant tu peux aller travailler, s'il te plaît, merci. On va en profiter, hein, on va essayer de lui faire monter tout ça. Elle est pas trop trop de mauvaise humeur. Ça va. Juste pas beaucoup de... Qu'est-ce que tu fais debout toi? Bah écoute, va manger, hein, monsieur Florent. Donc mais qu'est-ce qu'elle avait elle te plaisait pas cette place peut-être? C'est ça? Ça ne te plaisait pas? Le patron de Farah lui propose de faire une formation supplémentaire. Que doit-elle faire? Gain de performance, moyen. J'aurais pu la proposer à un collègue, mais éventuellement, je me dis que c'est plutôt pas mal pour elle de la faire. Moyen, c'est bien, du coup, vu qu'elle est à moitié triste. Et toi, tu l'as eu ta promotion? Bon, toi, tu l'as, c'est bon. Bah, c'est bon. Je sais pas si ça va être bon, mais. Monsieur, je t'explique dans cette maison comment ça marche. Quand tu casses quelque chose, tu le répares. Éventuellement, tu vas même aller regarder un petit peu le linge en bas là, histoire de. Ben voilà. Propre et sec, tu vas réparer la ligne, s'il te plaît. Tu vas peut-être pas faire tout le ménage parce que il faut qu'un petit peu que tu montes tes compétences. Enfin, ta compétence va jeter ça et ensuite tu vas aller peindre. Tu feras une toile classique, ça t'occupera. Hop, va mettre ça dans la poubelle. Voilà, je te vois monter.
Enfin, je t'ai vu passer. Non. On n'invite pas des gens comme ça qu'on connaît pas. Vous êtes rentré avec des projets. Ça serait bien que vous ayez des projets intéressants. Donc toi, qu'est-ce que t'as comme projet? Expérience électrique. Bon. Écoute, tu vas aller. Non, pas bâcler ton travail, surtout pas. Tu vas commencer à travailler soigneusement. Toi, tu as quoi? Construit un pont. Ouais, bof. Et toi, tu as quoi? Bon, expérience électrique. Hop. Tu vas commencer à travailler soigneusement. Et toi, mais tu vas faire ton pont, hein, du coup. Je sais pas où on va pouvoir le mettre. Mince. Bon, toi, du coup, tu vas aller manger, tu vas aller jouer en attendant, tu feras ça après. Prends une portion et tu vas jouer, s'il te plaît. Magnifique. Donc, Farah, ta promotion moyen, ça donne quoi? Bon. Ceci dit, ça nous fait bien avancer. Donc, toi, tu vas normalement avoir ta promotion dans 2 heures. Et du coup, vas-y, monte, 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 monte. Toi, par contre, tu vas pas l'avoir, mais au moins. Ça t'a aidé un peu. Toi, il te reste 2 jours encore. Il va falloir qu'on fasse quelque chose, hein, parce que ça va pas être possible. Donc toi, t'as fini. Donc tu vas pouvoir aller jouer un petit peu. Là où il se passe quoi? Oh mince. Alors attends. Avant de faire ça, tu vas peut-être aller aux toilettes, hein, parce que c'est pas trop ça. Voilà. Hop. Non, mais pas dans l'inventaire. Travaille soigneusement. Et toi, écoute, tu vas aussi aller aux toilettes, vite fait. Non, bâcle pas ton travail. Voilà, donc on a une promotion de Gaius et on a Farah qui revient avec tout ce qu'il faut. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux t'amuser, donc tu vas aller lire un livre un petit peu. Voilà, et toi. Alors, qu'est-ce qu'il te faut? Oula. Alors, toi, tu vas aller prendre une douche et tu vas aller dormir parce que. Waouh. Parce que de toute façon, ta promotion, 6 en programmation et 5 en jeux vidéo. Hop, tu pourras t'amuser quand tu seras un peu plus en forme. Parce que là, ça va pas le faire. De toute façon, toi, tu vas avoir ton bébé quand. Quand tu auras eu toutes tes promotions, ça sera déjà plutôt pas mal. Donc toi, t'en es où de tes... Qu'est-ce que tu fais là, toi? Mais non, tu dois pas aller jouer. Ah, attends, reviens. Profite du fait que t'as le bon moodlet. Oh! Mettre dans l'inventaire, s'il te plaît. Merci. Je sais pas si t'as gagné un point, j'ai pas vérifié. Stop. Ah, c'était un petit. Toile pop art. Pof, on s'en fiche. Donc 3 sur 6, t'en es où? 3 sur 6, mince. C'est ça qu'il fallait que je regarde. Donc il y a quelqu'un, toi, bah, par exemple toi, ah non, toi tu pars te coucher. Il y a quelqu'un qui va devoir... Pourquoi tu lis un livre tout à coup? Tiens, nettoie. Pourquoi tu lis un livre? Tu vas nettoyer, puis tu vas aller aux toilettes et tu vas prendre une douche froide. Ça te fera du bien, faire caca en étant en colère. Et tu vas aller prendre une douche froide, s'il te plaît. Farah, elle, c'est plutôt pas mal. Tu vas aller aux toilettes. Enfin, tu vas manger. Tu vas aller aux toilettes et tu iras dormir. De toute façon, t'es plutôt bien paré pour... Ça, t'es plus triste. Ça a disparu. Pouf, comme ça. Alors que t'avais 2 jours, il me semble. Hein. Ah là, c'est bon. Non, alors du coup, tu vas devoir faire à manger. On va ouvrir. Hop, ici, là. Griller des fruits. T'as déjà fini? C'est dingue ça. Mettre dans l'inventaire. Tu vas nous rapporter plein d'argent, dis-moi. Toile classique, rends toile classique. Combien t'en as? 163, 212, 231, 72. Ah, on a perdu de l'argent sur celle-là. 119. T'en es où? Pff, je suis bête, c'est juste devant moi. Donc Tiberius, il a terminé son projet. C'est magnifique. Hop, il vient d'inventer l'électricité. Mets dans ton inventaire. Et vous allez aller manger tous les deux. Ben non, ben écoute, tu vas aller jouer.
Et toi, tu vas... Tu vas rejoindre la partie. Oula, toi, tu vas aller prendre une douche. Prends une douche, monsieur. Et ensuite, hop, tu pourras prendre une portion. Toi, oui, je sais. Prends une portion. Toi, prends une portion. Et toi, non, ça va. Prends une portion. Oui, on s'en fiche. On sait que tu es pas très en forme. Toi, par contre, du coup, quand tu auras fini ta peinture, tu vas pouvoir aller prendre une portion aussi. Ou alors, on va t'en refaire une et tu prendras une portion ensuite. Voilà, tu mets dans l'inventaire, s'il te plaît. Non, attends, mets dans l'inventaire. Non, on va pas dormir comme ça d'abord. Voilà. Tu vas faire une toile classique. Voilà. Combien celle-là? 247. Mais c'est magnifique. C'est magnifique. Tu vas, je crois qu'il n'y a plus personne là, donc tu vas pouvoir aller aux toilettes. Oui, parce qu'avant d'aller dormir, ce serait mieux d'aller aux toilettes quand même. Surtout quand tu es en train de marcher comme ça. Toi, tu vas arrêter ça et tu vas prendre une portion. Toi, je sais pas ce que tu fais. Ah, tu manges tout seul dans ton camp, ok. Pourquoi pas. Hop. Et tu vas, quand tu auras fini, tu iras dormir. Tout le monde a ce qu'il faut au niveau de ses... Ok. Donc tu vas pouvoir aller dormir. Non, attends. Non, tu vas nettoyer ton assiette, s'il te plaît. Non, tu vas pas jeter. Mais... Tu vas aller nettoyer. Bah oui, je sais. Écoute, c'est la vie. Donc tu vas aller dormir. On s'en fiche, t'as besoin de marcher. Toi, tu vas aller dormir. Je sais même plus si c'était les lits de tout le monde, mais bon, c'est pas grave. Et toi, tu vas pouvoir utiliser, prendre une douche. Et tu vas aller dormir aussi. Toi, tu finis ta toile. Encore? Mettre dans l'inventaire. Tu vas pouvoir manger. Tout le monde va aller. Tout le monde. Ah non, tout le monde va pas être en train de dormir encore. De toute façon, on a toi qui va se réveiller assez dans pas très longtemps. Je pense qu'il va être totalement désynchronisé avec le reste. Je crois que tu choisis la prochaine fois. Hein. Ouais, c'est ça. Quand la prochaine promotion, il va pouvoir choisir et du coup, lui, il va être un e-athlète. Attends, nettoie ça, s'il te plaît. Et ensuite, tu peux aller dormir. Tu travailles dans 8 heures. De toute façon, t'as pas toutes tes compétences, donc... C'est pas encore ça. Puis surtout, t'as pas le trait responsable, donc... Voilà. Ouh, on n'a pas de fantôme. Magnifique. On va pouvoir attendre que tout le monde se réveille comme il faut. Toi, du coup, voyons voir. Oh, tu vas pouvoir te réveiller. Si tu pouvais te réveiller, en fait, ça serait bien. Voilà. Je sais que tu n'auras pas ta promotion aujourd'hui, mais quand même, si tu pouvais essayer, ça serait bien. Enfin, essayer. Tu pouvais essayer d'avoir quelques points de compétences qui te manquent. Tiens, tu peux prendre, il reste 3 heures. Et après, on va aller jouer aux jeux vidéo, tu vas voir, ça va être génial. Enfin, on va aller... On va essayer d'aller te faire monter un petit peu ta concentration. Et ensuite, on ira jouer un petit peu aux jeux vidéo. Voilà, tu peux réfléchir à une stratégie. Finis de manger, dépêche-toi. Voilà, mange. Et ensuite, tu peux aller réfléchir à une stratégie. Je sais pas où t'en es de ta compétence logique. Logique, 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 7. Moi, ça devrait pas... Pourquoi t'es triste encore? Ah, ok. Jouer un petit peu pour gagner un autre, voilà. Et ensuite, tu peux aller plus de choix. C'est où jouer? Jouer. Tu vas jouer à Vive les Sims. Allez. On va te faire monter un petit peu ton divertissement. On va te faire monter ton point de compétence en même temps. Toi, tu travailles dans 4 heures. Donc, tu peux dormir encore un petit peu. Éventuellement, tu peux aller prendre une portion.
tirer aux toilettes, prendre une douche et on va essayer de te faire gagner le bon moulette. Ce qui serait bien, c'est que t'es. Ah mince, bon. On va essayer de faire. On va espérer qu'elle soit pas malade. Hop, ensuite il va faire ça et prendre une douche. Florent, il travaille dans 1 heure. Tu vas arrêter de. Hop, et tu vas faire. Toile classique, tu vas faire une grande toile. On va voir si t'arrives à avoir ton. Ah mince! Rowena, oh non. J'ai pas fait le truc. Rowena, c'est qui? Ah, c'est Augustus et Kim. Et. Oh, bon, je vais aller chercher les traits, je crois que je les ai pas trop loin. Magnifique! Elle a un caractère de la mort qui tue. Voyons voir, elle est où? Parce qu'elle est. Kleptomane, magnifique! Donc elle est compatissante, responsable, contrôle des émotions, bien élevée. Magnifique. Du coup, elle va pas travailler, hein. Par contre, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va se lancer dans une carrière et elle va se lancer dans les affaires. Donc, eux, ils sont partis à l'école. C'est magnifique. Du coup, on a dit. Ça fait trop bizarre d'avoir un nouveau métier ici. On a dit. Les affaires, j'allais choisir ça. Le truc criminel pour moi, c'était les affaires. J'ai du mal, je ne vois pas les affaires. Elles sont où? Ah, elles sont là. C'est les premiers, c'est rangé par ordre alphabétique, hein, mais ça a l'air un peu compliqué pour moi. Donc, t'es deux niveau charisme et il faut que tu remplisses des rapports. Donc, tu vas aller plus de choix, web, remplir des rapports. S'occupera. Ah, oui, mince, t'as pas le droit d'entrer, toi. Alors, attends. Juste pour cette fois, autoriser l'accès à Rowena. Après, je te le bloquerai de nouveau. Plus de choix, web, remplir des rapports. Toi, je crois que tu dois aller travailler. Voilà. Magnifique. Va travailler, s'il te plaît. Voilà. Et en plus, t'as tout cassé. Tout est cassé. Super. Mince, toi aussi, tu dois aller travailler. S'il te plaît. Bon, t'auras pas eu le moodlet qu'il faut. Par contre, t'as bientôt ton point, donc c'est magnifique. C'est très bien ça. Tu seras niveau 5, il te restera un point à gagner. Et tout est bien qui finit bien. Donc toi, ça descend tout seul, c'est magnifique. Je sais pas si c'est ton trait compatissante qui fait ça. Non. Ah oui, bon alors va nettoyer si ça te fait plaisir. Non, ce que tu vas faire, c'est que tu vas afficher les stratégies, tu vas jouer. Allez, avant d'aller au travail, je pense que du coup, bah, ça va être Rowena qui va s'y coller. Elle va aussi payer les factures quand elle aura fini de remplir ses rapports. Fais une activité ludique. Hop. Super, donc maintenant tu vas travailler. T'en as que pour 4 heures, mais bon, c'est pas grave. Allez. Travailler davantage. Super. Phare est parti travailler. Toi, t'en es où de tes rapports? 50%. Magnifique. Gaius environ 30 minutes. Il va lire des blogs. Gain de performance petit. Super. Peut-être qu'en allant à la salle de sport, il aurait gagné autre chose. Être direct. Super. En fait, Farah va avoir sa promotion parce que. Réparer. Parce que elle est. Elle a que des trucs, des bons trucs. Bon, je pense pas qu'elle ait sa promotion là, mais on remarque qui sait. Si ça monte assez. On sait jamais, hein. Ça serait plutôt la bonne surprise de l'épisode, hein, qu'elle se passe niveau 8. Ah, donc toi, hop, t'as réparé ça. Magnifique. Tu vas pouvoir jeter. Et ensuite, on va te couper l'accès à l'ordinateur. Désolé. Jusqu'à ce que. Bloqué pour un sim spécifique. Verrouille la porte pour tout le monde. Si je prends toi, autoriser l'accès à débloquer pour un sim spécifique. Non, alors attends. Débloquer pour un sim spécifique. Mince. Débloquer. Qu'est-ce que tu fais? Débloquer. Alors attends, on va recommencer. Verrouille la porte pour tout le monde. Débloquer pour Farah et débloquer pour
Gaius, voilà. Et toi, au lieu de courir dans la pluie, alors tu as faim déjà pour commencer. Alors déjà, tu vas aller réparer ça. Voilà. Ensuite, tu vas faire à manger. Et enfin, tu vas nettoyer les assiettes. Et puis tu vas faire à manger. Hop, comme ça. Ça sera fait, voilà. Va nettoyer ça. Ça y est, y a plus de. T'es plus triste. Tu vas aller aux toilettes aussi. Parce que t'as envie d'aller un peu aux toilettes. Tu vas nous faire à manger. Hop. Et ensuite, bah, tu pourras jouer à quelque chose. Hein, parce que. Enfin, jouer ou autre. Parce que t'as plutôt envie de te détendre. Et malheureusement, c'est pas trop ça. Donc toi, t'as eu un B. Donc t'as faim, mais pour l'instant c'est pas. Alors, attends, tu peux payer les factures, toi. Vas-y, paye les factures. Ensuite tu vas jouer et donc toi tu t'as pas le droit de toucher. Tu vas lire un bouquin. Voilà. Donc on a payé les factures, on a à manger. Il y a du monde hein, sur Origin aujourd'hui. Donc toi, hop, tu peux aller là et tu peux prendre une portion. Toi, tu peux arrêter ce que tu fais et tu peux prendre une portion. Et toi aussi, et tu iras jouer après. Voilà. Donc, est-ce que Farah va avoir sa promotion? Magnifique, elle a sa promotion. Si c'est pas beau. Si c'est pas beau, ça. Qu'est-ce qu'il y a? Peur des orages. Mais t'es pas dehors? Mais oui, bon, j'imagine qu'à ton boulot, il y a aussi des orages, mais. Oh, super, ils ont tous peur des orages alors qu'ils sont pas là. Oui, alors toi par contre, il va falloir que tu finisses tes petits points de compétence là parce que ça va pas le faire. Non. Laisse ça. Tu vas. Ah bah si en fait. Je suis bête. Plus de choix. Non, ça attend. Oh ma petite Rowena. Tu vas ouvrir et tu vas reprendre le livre que tu viens de poser dedans. Et tu vas aller lire rendre l'objet volé. Mais vous l'avez volé à qui? C'est un mystère. Waouh. Ça faisait longtemps. La pluie, tout ça. Ça faisait un petit moment. On voit même pas ce qui se passe. Là. Donc, qu'est-ce qu'on a dit ici? Ok, Rowena, elle lit son bouquin. Ouh, il y a de l'orage. Ah oui, bah oui, il y a de l'orage. Ouais. Ça donne quoi du coup? Ah oui, alors ça, par contre, hop. Canicule jeudi, magnifique. Alors, Florent a amené 280, Gaius 624, et Farah, oula, elle a l'air d'avoir des lunettes de soleil, promue au poste de consultante indépendante. Oula, c'est quoi cette tenue exactement? Non, parce que bon, les consultants indépendants, ok, je veux bien tout ça, mais. C'est quoi cette tenue? Alors, voyons voir. On va faire un petit crac-crac par ici. Embrasser les mains. Oh, bon, entre eux, ils sont bien s'entendre, dis-moi. Amour. Baratiner. Plus de choix. Amour. Embrasser les mains. Toi. Bien au chaud, alors j'aime même parce qu'ils sont bien au chaud. Enfin, ils ont le moodlet style je suis bien au chaud, mais ensuite prends une portion. Ouais, super, en fait, vous rentrez pour faire je sais pas quoi. C'est quoi cette tenue? On dirait une criminelle.
Plus de choix, amour. Embrasser la joue, plus de choix, amour. Impressionner avec ses prouesses aux jeux vidéo. Amour. Draguer, plus de choix, amour. Caresser la joue, plus de choix, amour. On va aller faire crac-crac. Oui, alors toi, t'as besoin de t'amuser, je sais. Toi, t'as besoin de t'amuser aussi. Tu veux pas lire un livre du... Non, tu vas aller jouer, s'il te plaît. Toi, tu es en train de lire ton bouquin. Toi, t'es en train de lire ton bouquin. Vous, vous allez faire crac-crac. Allez, on est parti. Oh là là, il y a du linge. C'est quoi ce linge? Voilà, je pense qu'il faut va falloir que quelqu'un fasse la lessive à un moment donné. Non mais là c'est plus possible, là, madame. Ah bon, c'est pénible. Hop. Là. Et il y a une flaque de boue qui vient d'apparaître, c'est magnifique. Non mais... Ah oui, alors là, il y a vraiment quelqu'un qui va devoir aller faire la lessive. Dormez un petit peu... Mince. Bon, du coup, t'as des niveaux 8 et il te faut quoi? 9 en programmation, magnifique. Donc on a que la programmation à faire monter. Mais bon. Que de la programmation. Façon de parler, hein. je sais pas où t'en étais, mais t'es forcément niveau 8, parce que tu peux pas aller plus loin. Non mais toi, va pas lire un livre. Je sais pas, par exemple, va rejoindre la partie, et puis tu peux aller jouer. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Voilà. Non, toi. Voilà, maintenant tu peux aller jouer à Vive les Sims. Et ensuite tu pourras faire. Tu pourras aller dormir et faire un peu de programmation. J'ai des gens partout. Toi tu prends ta douche. Ok. C'est bien. Et toi tu vas manger. Et éventuellement on va aller te faire un petit peu de programmation. On va en profiter. Toi je sais pas ce que t'es parti faire. Mais voilà, par exemple, quelqu'un qui prend de l'initiative. Bon, par contre, ça aurait été bien de... Bon, c'est pas grave. On va pas se plaindre non plus, hein. Toi, tu vas aller dormir. Je crois que c'est ton anniversaire qui arrive. Ouais, c'est ton anniversaire. Par contre, je sais pas quand est-ce que tu vas le fêter, donc... je ne garantis pas que ça soit dans cet épisode précis. Donc toi, tu fais la lessive. Toi, t'as fait ça. Tu iras manger ensuite. Ah. Je sais pas si on peut compter 1, 2, 3, 4, 5. Réfléchir à une stratégie. Jouer. Tu vas aller manger sur les toilettes. Ah non, tu es parti nettoyer. Je ne saurais plus, hein, pourquoi pas. Hein. J'ai absolument rien contre ça. Alors toi t'as atteint le niveau 5 dans les jeux vidéo, c'est magnifique. Et maintenant tu vas faire un petit peu de programmation. Histoire de... toi tu vas aller aux toilettes et tu vas aller peindre un petit peu. Il y a du linge ici. Ah. Alors, toi, t'as fini. Du coup, tu vas l'accrocher. Et éventuellement, tu vas... Non, mince, tu peux pas. Bah, écoute, allez, dépêche-toi. Voilà. Tu vas changer l'eau. Et tu vas faire la lessive dans la bassine. Toi, tu es en train de finir.
Et toi, tu peux aller un petit peu plus de choix, programmer, t'entraîner à programmer. Allez. Hop. Magnifique. Tout le monde travaille. Tout le monde fait ce qu'il a à faire. Ok, donc toi. Super. Donc tu vas mettre dans ton inventaire. Et tu vas faire une toile classique, une grande toile. Il est quand même monté plutôt pas mal vite. Hein. Il est déjà niveau 5. C'est quand même plutôt bien. En plus, il est pas forcément créatif. Parce qu'il est mature, matérialiste et végétarien. Mais niveau 6 quand même, je sais. Je sais pas si dans ces trucs il faut juste. Je crois qu'il y en a un, il faut avoir du charisme. Mais c'est quand même pas mal quoi. Si c'est juste monté, c'est plutôt facile comme carrière quoi. Après, il a juste à avoir ses promotions et basta quoi. Sachant qu'il est. Ouais, il est presque adulte. Il est presque adulte. Ouais, il a plus ou moins le même âge que Farah. Hein. Farah, il lui reste 6 jours. Et lui, il lui reste 9 jours. Donc bon, ça va, ils ont pas une trop grande disparité entre eux. Par contre, toi, on va aller te coucher. Histoire que tu sois en forme demain. Et toi, tu travailles pas demain, donc comme ça, tu peux continuer à faire ton truc. Toi, je sais pas pourquoi d'un coup comme ça, t'es. Oui, bah va aux toilettes. T'as fini ton linge? Ah, il y a un truc qui a. Il y a un truc qui a. Il y a l'orage qui est tombé sur quelque chose, je sais pas quoi, mais. Allons voir. Vider la lessive, immaculée et humide. Tu vois, Augustus, c'est possible de faire des trucs qui soient. Qui sont même. Qui sont propres, même en n'étant pas forcément de super bonne humeur. Je crois qu'il y a un truc qui est cassé. La douche, super. Bah toi, tu vas continuer un petit peu. Pense à un membre de ta famille si tu veux. Pourquoi tu dors là, toi? Et t'as refait ça en fait. Mets dans ton inventaire, il est où? Plus de choix. Mettre dans l'inventaire. Tu vas essayer d'en refaire un peut-être? Je sais pas où t'en étais de ton toile classique. Bon, ça va, c'est passé. Tu vas pas passer niveau 6 maintenant, mais tu vas t'en rapprocher quoi. Super. Et pourquoi tu peux faire ça, toi? Alors attends, tu vas aller changer l'eau. Et tu vas pouvoir aller dormir. Je sais, Rowena est partie dormir. Ok. Par contre, Rowena, elle aurait pu prendre le lit. Elle aurait pu prendre l'autre lit. Attends, viens ici. Ah bah, de toute façon, elle est quasiment déjà bien endormie. Hein. Enfin, je regarde exactement ce qu'elle a besoin de faire monter. Histoire qu'on puisse le faire monter. Mais je pense que nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a quand même bien avancé. On a eu la petite promotion de Rowena qui, du coup, on a besoin plus que de deux. Ça devrait aller. Si elle continue à avoir des cartes chance comme elle a eu, ça devrait aller plutôt vite. Hein. Là, elle est deux fois au travail, deux fois une carte. Et elle a eu sa promotion. On va aller la coucher. Et puis une fois qu'elle aura sa promotion, on pourra passer au bébé et on s'occupe. Ben, du coup, on va essayer aussi de faire en sorte que Florent, il ait sa promotion. Alors potentiellement, c'est lui qu'on va garder à la maison et le copain de Rowena, on le jette. Enfin, on le gardera pas très longtemps. Parce que attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si ils ont un bébé, ça fait 7, 8. Il faudrait qu'elle le fasse emménager, qu'il ait le bébé, et qu'après il s'en aille, qu'après Florent et Farah aient fait leur bébé. Sachant que lui, il faut qu'il le fasse avant, quoi. Parce que Rowena, elle a tout le temps. Au pire, Rowena, on attendra, et puis s'il faut, bah, on trouvera quelqu'un d'autre, hein. S'il faut, elle trouvera quelqu'un d'autre. Sachant qu'ils ont quand même pas mal de différences. Bref. Dans tous les cas, est-ce qu'il est de toute façon, est-ce qu'il est jeune adulte lui maintenant? Ouais, maintenant il est jeune adulte. En fait, ils sont tombés pile quand il fallait. Donc, toi, t'as fait ton petit truc. Magnifique. C'est magnifique.
Bref, du coup, on va s'arrêter là. Sinon, on a encore pour 150 ans à moi en train de faire des commentaires. Donc, j'espère que l'épisode vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire. En parlant de commentaires, un j'aime sur la vidéo et bien vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Vous pouvez aller aussi faire un tour sur le reste de la chaîne pour voir un petit peu les vidéos qu'il y a. Il y a un ou deux speed build, il y a d'autres let's play et il y a des découvertes de jeux sur console. Donc si jamais il y a quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas. Et nous, bah, du coup, bah, on va se retrouver dans le prochain épisode, je l'espère. Salut!